Oser sans jamais abandonner, un leitmotiv qui a mené Aya Gertrude Conant du lycée des jeunes filles de Yopougon au cockpit des avions d'Air Côte d'Ivoire. La pilote de ligne, première femme à être formée en Côte d'Ivoire, a inspiré plus d'un jeune lors de la première édition des week-ends du mérite et de l'excellence le 31 mars dernier. C'était mon rêve d'enfance, de petite fille. J'ai toujours voulu faire ce métier, donc je ne pouvais que mettre les moyens de mon côté pour atteindre mon objectif. Initiée par la grande chancellerie, cette rencontre vise à ouvrir d'autres perspectives aux jeunes, tous fascinés par la jeune femme. Après les conseils de Madame Aya, comme sûr de pouvoir atteindre nos objectifs en travaillant et en redoublant d'efforts, car seul le travail paye. Notons que cette première rencontre réunissait non seulement des élèves de plusieurs établissements, mais aussi un parterre de personnalités, elles aussi venues s'inspirer.